fait, ça fait. Hello, bienvenue sur la chaîne Jen Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action du 23 février 2021. De la beauté, du loisir créatif, scrapbooking, et voilà. Et du rangement. Voilà. Peut-être le haul note si on a le temps, sinon si c'est trop long la vidéo, je le ferai dans une autre vidéo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, c'est un gros haul à action. Donc je commence par ces chouchous. Je crois qu'ils sont nouveaux, j'aimais bien cette couleur là de vert quoi un peu. Noir pailleté et rose pailleté à 99 centimes, voilà. Pour les prix que je me rappelle, je vous les donne, sinon les prix d'autres prix, je donne un peu approximatif quoi. J'aimais bien ce chouchou, je l'avais perdu en fait dans ma ville parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc du coup je l'ai repris. Et du coup j'en aurais deux de gris, mais c'est pas très grave. Et ça c'était 99 centimes aussi. J'aime bien les chouchous de chez Action, ils sont bien. Ensuite, en nouveauté, j'ai trouvé ces stickers là. Donc ça c'est, j'aimais bien surtout, moi je l'ai pris pour celui-ci. Celui-ci, le petit lapin que j'adore, ça me fait penser un peu à Alice, à La Belle et la Bête, voilà. Le chat aussi, j'aimais bien. Je suis pas très chavi, mais là j'ai trouvé joli en fait. Voilà. Je vous le fais voir un peu plus près. Le chat aussi. La petite boîte aux lettres là. Le chat, les ballons qui s'envolent. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce bloc-ci. Donc il est pas, il est nouveau sans être trop nouveau, donc je vous le feuillete vite fait en fait. Voilà. Vous voyez les feuilles paillettes, puis les feuilles un peu mines comme ça là, j'adore. Il est en plus foncé aussi. C'est un dégradé de vert en fait. Voilà. Voilà pour ça. Donc c'est le design pad comme ça. Désolée, le chat fait du bazar. Le papier carbone, ça c'est nouveau. C'est du papier carbone, donc ils appellent ça du papier de couverture graphite. Utilisez ce papier calque graphite pour tracer votre image ou dessin sur diverses surfaces telles que le bois, le papier, le carton, etc. Il y en a 20 feuilles dedans. Donc ils vous font voir ça. Moi je l'ai pris surtout pour le bois, je pense. Oui, le bois, un peu les matières comme ça. Il faudra que j'en rachète. Et du coup, par contre, c'est comme ça. Vous voyez, c'est du noir. C'est des feuilles noires, en fait. Voilà. Du papier carbone, quoi. Il aura ! C'est bon, excusez-moi de vous appeler. C'est... Voilà. Alors, il y a... j'ai pris un classeur comme ça. Ça, c'est pour... mes découpes de dies, en fait, je vais les mettre. Je vais faire toutes mes découpes de dies, comme ça je saurai quelle dies j'ai. Voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai pris ces petites fleurs là. Donc ça, c'est 99 centimes à peu près. Hobiflora. Donc ça, je me rappelle plus du prix. Donc j'ai pris celle-ci. Voilà. Couleur un peu marron-violet, on va dire. Il y en a 10 pièces. Et j'aimais bien un peu avec les. C'est les nouvelles fleurs, ça. Avec les perles. Enfin, celle-là. Et celle-là, j'ai pris. Je n'ai pas pris les autres encore. Elle n'y était pas, donc je prendrai les autres plus tard. Une prochaine fois. Donc ça, je les mets derrière direct. C'est pour tout ce qui est loisirs créatifs, quoi. J'ai repris, ça c'est nouveau, ces embellissements-là. J'aimais bien celui-ci et les papillons. Voilà. Et même là. Celui-là, il était joli, donc je l'ai pris une fois. Hein. Pour l'instant, j'ai pris quand une fois. J'ai pris celui-ci. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vais voir un petit peu vite. Il y en a 9 pièces et ça coûte 99 centimes, il me semble. Je remets dans le sac en attendant parce que je veux re-ranger cette pièce. Ah oui, j'ai acheté aussi une boîte, une 100 litres, une grande boîte en fait, 100 litres, qui a des rabats. Et ça, c'est à 9,99 que je l'ai pris. Donc ça va, c'est correct. J'ai pris ces dies-ci. J'ai pris que ceux-là dans la collection pour l'instant. Ceci, je ne sais pas si je les avais, donc il faut que je regarde si j'avais à peu près le même die similaire, sinon je les ramène.
Donc ça, c'était 1,99 et celui-ci. Voilà, la glycine et la feuille. Pour l'instant, j'ai pris que cela. Je sais pas, on verra plus tard. Ensuite, j'ai pris pour la Weirgigla de ma 5 mètres, j'ai pris du gold wide fil d'or. Voilà. Ça, je sais plus le prix par contre. Je peux plus vous dire le prix, j'ai plus le ticket. Ensuite, j'ai trouvé les restes de Twin Marker que j'avais pris une fois et j'ai trouvé les autres. Donc en fait, c'est bien pour faire des dots. C'est bien pour faire ça en fait. Voilà. Donc, j'ai pris du 1 à 6 mm. Comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, je remettrai dans le petit i par contre. Donc, je vous ai expliqué quel côté il fallait trouver pour que ce soit le fin, à quel côté il fallait trouver pour que ce soit pas le fin, quoi. Il y avait un petit subterfuge. Donc, j'ai pris dans les tons bleus. Donc, ça, c'est 99 centimes. J'ai pris dans les tons jaune et rouge, orange. Voilà. J'ai pris dans les tons vert. Vert et mint. Le mint, il est super beau, les verts et bleu. Et j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a peut-être un autre qui doit être quelque part, je sais pas où. Bref, dans les tons verts et dans les tons comme ça, un peu plus punchy. Voilà, ça je vais m'en occuper après. Et ça c'est 99 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai enfin trouvé les encres, sauf un pad. Donc ça c'est 99 centimes. Il y en a 3 encres ink et une métallique. Voilà, pour faire des fonds et tout. Donc, ils appellent ça tampon encreur 2. Donc, j'ai trouvé tous les pads. Sauf celui-ci, le noir, bien sûr. Donc, j'ai trouvé le orange jaune doré. Voilà. Celui-ci. Le rouge. Bubble. Alors, attendez. Les teintes. Spanish orange. Peachy Chic, Earth Come the Sun et Tuscan Gold. Voilà pour cela. Cherry Pink, Cherry Red, pardon. Bubble Pink, Bubble Gum Pink, Cheesy Watermelon et Cherry Blossom pour cela. Voilà. J'en ai trouvé d'autres. Je vais pas tout tomber. Je vais tout tomber, mais ça va tout tomber. Dans les bleus, la Calm Night, la Sailor Sweet, la Lavender Love, la Milo Mint. Voilà. Elle est jolie celle-là. Donc ça c'est la métallique et les shulk. Voilà. Très bien. 99 centimes. Donc dans les bleus c'est fait. Les verts. Les verres. Donc ouais, il me reste une à trouver. Une fois. Des trucs à trouver. Dans les verres, donc la Peel Green, la Morning Dew Drop, la French Apple Green et la Techno Green. Elles sont jolies, je trouve. Dans les verres. Voilà, les verts. Et dans les la Passion Purple, la Radiant Rose, la Sweetie Pie Pie et la Purple Petal. Voilà, dans les roses violets. Je ne peux pas répondre au téléphone, donc ça rappellera. Ensuite, dans les sparkle markers, j'ai enfin de les trouver. Donc les deux glitters. Donc il y a du jaune et du doré. Je sais pas, il n'y a pas de couleur. Hein. Marqueur pinceau à paillettes. Donc j'ai vu pas mal de vidéos.
Il faut enlever le bouchon du marqueur en le tirant, ne pas tourner. Consultez les instructions ci-dessous avant de l'utilisation. Il s'agit de marqueurs à base d'alcool. Il faut retirer l'anneau rouge avant utilisation. Cet anneau-là, il faut le retirer en fait. Et ils disent après remove, patch, test chic. Voilà. Donc j'ai pris dans ces couleurs-là. Je crois que je les ai pris tous. J'ai pris dans ces couleurs-là, mais le truc il s'est barré. Voilà. Donc c'est dans les noirs et gris. Voilà. Argenté. Ça a été comme ça. Un peu, ouais. Voilà. Ça faut que je regarde pourquoi ça s'est barré, ça m'énerve. Dans les violets et violets clairs. Ouais, on va dire ça. Lavande, un peu. Vous voyez ? Ça, c'est 1,39. Je me rappelle le prix. Et dans les verts et les verts pailletés. Voilà. Dans les roses et roses foncées. Voilà. Et dans les bleus. Il me semble qu'il n'y en a plus. Et dans les bleus et les bleus pailletés. Voilà. Ça, ça a l'air pas mal. J'ai vu une vidéo. Je pense que ça va être sympa de m'en servir. Ensuite, je suis contente. J'ai encore trouvé des petites pépites. Ce bloc-ci. Donc, ça s'appelle le Botanic Vintage. J'espère que je ne l'avais pas acheté. J'ai des doutes. Des doutes. Non, j'ai le Home Sweet Home. Je vois. De toute façon, j'ai rangé tout ça. Donc, le Botanic Vintage, comme ça. Il est magnifique. Donc là, c'est recto verso. Donc, je vous fais voir comme ça. Hop. Le verso, c'est comme ça. C'est des petites fleurs qu'on voit pas trop. Là, comme ça. J'adorais les couleurs, en fait. Vous voyez, hop. Hop. Ah, cette page là elle est jolie, je trouve. Pourtant j'aime pas trop tout ce qui est trop couleur, mais là voilà. Là voilà, 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 voilà. Tac tac. Le pire, c'est il y a les étiquettes et ça, c'est joli, je trouve. Hop, 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 voilà. Je vais vous faire voir ça. Celle-là, elle est jolie pour découper die cuts. Et celle-là, avec comme des cases comme ça, j'adore. Enfin, un mini-album, je trouve que ça peut être joli. J'ai peut-être des idées. Ah, puis ça aussi, les étiquettes comme ça. J'adore. Donc, il y a marqué plein de trucs. Hein. Beautiful, lovely, the heart of music. Pour tous, pour tout, go where you feel most alive. Oui, il y en a plein, quoi. C'est la même page, de toute façon, l'autre. Ouais, donc voilà, celle-là. Et après, on revient, je crois, ouais, voilà. Donc voilà, celui-ci. Donc voilà. Ensuite, on a les aquamarqueurs. Donc j'ai pris les nouvelles teintes là, donc je vais vous... comme ça pour vous faire voir. Voilà. Bah... Donc là c'est dans les tons un peu pêche, papaye, mustarde, orange, ocre, abricot et marron. Voilà. Donc c'est des nouvelles couleurs. Et puis le storage est pas mal. Il y a toujours... le truc pour ranger. Attendez, je vais essayer d'en ouvrir un quand même. Si j'y arrive. Bon. Compliqué d'ouvrir. Sans arracher le truc. C'est compliqué parce que ouais, je suis vraiment en plein rangement dans cette pièce. Donc. Le truc.
J'essaie juste de vous faire voir une au moins. Une boîte. Pour vous faire voir le rangement. Parce qu'en fait, ça peut s'empiler. Pour vous faire voir derrière. Donc, je vous fais voir une boîte. Hein. Vous voyez, vous avez des clips là. Ça peut s'empiler. Voilà. Et voilà derrière comment ça fait. Là, vous avez vos couleurs. Donc ça, c'est les aquamarqueurs. Donc je vous fais refaire voir la boîte. Donc avec un petit arc-en-ciel pour vous repérer. Dans la boîte orange. Voilà. Et en fait, ça se clipse. Voilà. Donc ils appellent ça aquamarqueur encre à base d'aquarelle, quoi. D'aqua. Feutre fin et brush. Qualité professionnelle, conseil à conserver horizontalement. Je leur dis tout le temps ça. Donc j'ai pris cette boîte-ci. La boîte violette qui est dans les violets, quoi. Voilà, je vous la mets là. Voilà. Quoi, marqueur. Voilà. Pour vous faire voir les couleurs à peu près. Donc ça, c'est. Oui, c'est des nouvelles couleurs. Hein, parce que ces trucs-là, ça me dit rien. La boîte bleue. Bah, qui est dans les bleus, je suppose. Bleu-vert, ouais. Il y a le Neo Mint, là, qui a l'air pas mal. Et le Cool Mint. Voilà. Avec. Alors, la boîte violette, c'était avec des fleurs pour vous repérer. Hein, pour les trouver. Elles sont à 3,79€, je crois. Ou 59. Un truc comme ça. Pardon. Excusez-moi. Donc là, avec des baleines plutôt. Des dauphins, n'importe quoi. Petite baleine comme ça, la boîte bleue, la boîte marron, avec le loup, voilà, donc il y a du rose, du orange et un peu dans les tons marron, noir, tout ça. Pour vous repérer, je vous fais voir derrière si vous voulez voir, mais bon, les commander, je sais même pas si c'est le même code à chaque fois. Si c'est le même, je vous ai fait voir la boîte verte. Non, la boîte verte avec la tortue, elle est trop belle. La tortue, ça m'a donné envie de faire une tortue. Voilà, hop, avec toutes ces couleurs là, vert un peu. Pineapple, tout ça, ça c'est bon. Et la boîte, pour finir, la boîte rose. On va faire le haut, le nose à côté. Et la boîte rose avec une plume. Là. Voilà. Pour vous repérer, pour les trouver dans le magasin, en fait. Ça c'est chez Action, c'est 3,79€. Donc pareil, faut les mettre à l'horizontale. Voilà. Et ensuite, donc j'ai trouvé deux boîtes comme ça. Avec couvercle, hein. Bien sûr, il y a un couvercle. On va voir ça. Et pour finir, j'ai trouvé chez Action. Il y avait d'autres trucs, hein. Il y avait les marqueurs aquarelles, les autres là, par 4, à 0,99€, mais je les prendrai plus tard. Voilà. Ça. Et pour finir, à Action, ceci. Les Blender Tools. Pareil qu'ils sont pas tip top, mais bon, j'en ai pris juste un à 99 centimes. C'est pas ça qui va me coûter très très cher. Oh, il y a plein de poils le mien. Donc voilà. Je vous explique comment faire là, derrière. Voilà pour ça. Donc voilà, Action, c'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal. On va dire que c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!